Salut à tous, je suis bien seul sur ce live, on dirait. Ah, il me semblerait que les gens commencent à arriver tout doucement. Je pense. Vois le nombre de visionnages en cours, je suis en train de désespérer en fait. Enfin. Bah sinon j'espère que vous allez bien. Même si je parle presque dans le vent, on va dire. Waouh. Aïe. Bon, du coup, on se retrouve pour ce troisième live sur le au sujet de la 120-60, la 123 portes. La fameuse programmation qui fait tellement jaser. La programmation au niveau des scripts. Salut Imaginox, salut The Nyan 4. Oh non, The Nyan 4. Bah, bref. Je me demande vraiment d'où ça sort l'idée d'une Nyan 4. Pour une fois, je vais voir le live en rediff. Enfin, pour une fois, je vais le voir en live et pas en rediff. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est des choses qui arrivent, hein. Tu sais pas regarder le live, bah c'est pas grave, hein. Je ne suis pas à ça près. Ah, veuillez m'excuser pour mon nez bouché. Enfin, comme tous les jours, on va dire. Hop. Tech Live, salut à tous, bonjour. Ah. Alors, j'ai déjà deux petites infos à passer. Ma connexion internet joue un petit peu des hauts et des bas. Il n'est pas impossible que la connexion crache comme lors du dernier live. Bon, heureusement, j'ai eu le temps de finir tout ce que je voulais dire avant que ça coupe. Ça, heureusement, j'ai eu de la chance. Une autre information. Si vous avez des bugs à signaler au sujet de mes vanholes, faites-le. Faites-le le plus vite possible, comme ça au moins, plus tôt vous le signalez, plus tôt je peux sortir un patch avec les corrections qui vont avec. Bon, oui, vous voyez ici du Yonker Transit 2000, mais c'est toujours en progrès, mais voilà, c'est pas encore officieux. C'est à 120 à 3 portes. Est bien intéressant vu qu'il est exceptionnel. Oh que oui, ça pourrait être exceptionnel, il est exceptionnel. Enfin, seulement à titre de deux exemplaires. Transcubé, bonjour. Et non, malheureusement, Noah n'est pas encore avec moi pour ce live. Et Willan, je sais pas s'il va arriver en cours de live, j'en sais strictement rien. Je suis sur notre Discord privé, il viendra quand il voudra. Donc voilà. Adèle Ben Morsley, pardon. Désolé, j'ai toujours du mal avec les noms que je vois pour la première fois. Et il nous dit CC. Coucou. Bonjour. Donc, du coup, nous allons faire le fameux script de porte manuelle. Et pour ceux qui n'étaient pas là d'ailleurs, en hors caméra avec la 120, j'ai fini la mise en place de tous les passagers debout. Pour ceux qui n'ont pas vu sur ma page Facebook. Voilà. Et aussi, hors caméra. Toujours, j'ai mis le script des quatre portes sur la 120-60 pour essayer de mettre la troisième porte en marche, parce que ça fait des bugs lorsque le bus est préchargé, alors qu'il n'y a que deux portes programmées en fait. Mais si tu rajoutes une troisième, ça marche pas, il faut recharger le bus. C'est un petit peu chelou, mais c'est comme ça. Attendez, je vois quelque chose qui m'ennuie là. Vous savez, quand vous avez ce cheveu qui passe devant votre champ de vision là, qui gigote un petit peu, ben voilà, c'est. Transcubé, je suis à une compète de kayak. Oh. Non, et William est déconnecté. Oui, ça, je vois bien qu'il est déconnecté. Bon, moi, je suis sur le Discord et il viendra si jamais il le décide. Voilà. Est-ce que quand OMSI2 met une erreur du style There was an error in line 466, c'est vraiment une ligne ou ailleurs? Souvent ce genre d'erreur est impliqué dans un fichier CFG. Donc en général dans un fichier CFG, par exemple, je sais pas, il y a une erreur à la ligne numéro 200. Eh ben, moi je vais aller dans Édition, Atteindre, je mets le numéro de ligne.
Et je vois un petit peu à l'occurrence ce qui va pas. À peu près. En général, ça vous met toujours au niveau du mesh, quelque chose. Voilà. Mais je sais pas, je ne pense pas que pour les scripts ça fonctionne. Pourtant, ça sera tellement pratique. Donc, du coup, nous allons essayer de faire ce système 3 portes manuel. D'ailleurs, dans le futur, je vais peut-être essayer de combiner les scripts des portes parce que ici, nous avons trois scripts différents. Les deux portes semi-automatiques, enfin semi-auto. En gros, elles sont automatiques, mais tu peux les switcher en manuel depuis l'intérieur du bus. Ici, c'est des portes full manuel. Et ça, c'est les quatre portes automatiques. Enfin, les trois portes automatiques plus la porte avant. Je comprends rien, on va nous avec les A120 barre quelque chose. Bah, c'est assez particulier à différencier les A120. Mais bon, avec ceux que j'ai déjà mis sur Rumsy, tu pourras peut-être relativement comprendre qui est quoi, on va dire. Je sais c'est dans le modèle, mais je ne vois pas c'est quoi. Bah, en général, ça te met toujours le nom du fichier. Fichier CFG incriminé, bah, t'as juste qu'à aller l'ouvrir et à chercher la ligne en question. Cette chaise qui grince, c'est énervant. Je me demande si t'as déjà vu mon mode de porte style STIB sur ton A600. Je ne pense pas, ça me dit rien. Donc, du coup, ici on va devoir créer un quatrième script, mais bon, dans le futur, j'essaierai de faire en sorte qu'il n'y en ait qu'un seul, d'ailleurs, dans celui-là. Et on sera peut-être un petit peu plus pépère poseille. Donc du coup, je suppose qu'on va prendre. En fait, j'essaie de partir sur une base d'un script déjà existant, comme ça au moins je ne casse pas trop le C à faire la réécriture un petit peu à gauche à droite. Je vais prendre le 2 porte manuelle comme ça. Hop, je vais le renommer en 3. Non. Ah, puis zut. Hop, hop, hop. Tirer du bas, manuel. Voilà. Je vais faire un renommé. Je vais changer le truc dans le fichier bus. Le fichier bus qui est là. Hop. Point C. Pouf. Voilà. C'est sauvegardé. Je regarde qu'il n'y a pas un petit truc à changer éventuellement. Non, ça a l'air d'être bon. C'est-à-dire que la porte arrière s'ouvre automatiquement quand on sonne, mais tu peux forcer l'ouverture ou la fermeture. Je vois pas très bien. Ah bref. T'as pas compris ma question. Je me demande sur quelle cloche chez moi. J'ai tout cherché autour de cette ligne. Et je vois rien qui cloche. Et pourtant, c'est comme s'il dit, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Bon, c'est vrai que c'est pas le genre de truc qu'on voit pas directement à première vue. C'est. Voilà quoi. Gab Joker, bonjour, bienvenue. Le pire, c'est que ce script, je l'ai fait par accident. Ah bah d'accord. Bon, on va essayer de s'occuper de nos petits popotes. Aïe, ou pardon, c'était le micro ça. Je suis désolé. Faites pas attention, je délire un petit peu. Bon, oh. Désolé, je suis un petit peu perdu, je ne sais guère comment en faire partir sur un bon script potable. Parce que vous voyez, j'ai un petit peu peur de faire une petite bêtise et que du fait après ça fasse tout planter. Que vous savez bien que MC est un jeu assez capricieux.
Je comprends jamais rien au numéro derrière le modèle sur les vanholes. Ouais, bah c'est vrai que pour les A120 c'est un petit peu tordu, mais après pour les autres, ça va tout seul. J'ai bossé pendant 4 heures avec ce bus et résultat, il apparaît même pas dans le choix des bus. Oula. Ouais, là t'as effectivement un gros problème quelque part dans ton fichier mode, dans ton fichier en question. Effectivement. Ah, turlututu. Bon, alors, hop. On va essayer de rajouter une troisième porte. Parce que ici nous avons seulement que deux portes. Donc le premier ventail de la première, le deuxième ventail de la première, premier ventail de la deuxième, deuxième ventail de la deuxième. Et. Bon. Du coup, tu, chapeau pointu. Alors moi je vais bêtement faire ça, copier, coller, coller. Je renomme ceci de cette façon. Voilà. J'espère juste ne pas me planter. Par sécurité, je vais ouvrir le deuxième fichier. Les transports d'Axel, salut, bonjour. Hop. Donc techniquement, si je fais ça, copier puis coller, voilà, je renomme 45, 45, 45, 45, 45. Je regarde si j'ai pas oublié quelque chose quelque part. Non, ça a l'air d'être bon. Je vous assure, vous allez dire, mais je comprends pas grand-chose. Enfin, je vous avoue que moi non plus, je comprends pas toujours tout dans ce système de script. C'est même un peu chelou. Ouh. Je vais éternuer. Ouh, l'éternuement qui fait du bien. Hop. Déjà ce numéro-là, je sais même pas à quoi ça correspond. Et franchement, j'ai jamais compris à quoi ça servait. Mais bon, s'il est là, c'est pour une bonne raison. Voilà ce qui m'affiche. Ah. Ouais, mais bon, moi je n'ai pas ce. Je serais pas plus tadiqué que ça. Moi, si je vois pas le fichier, je n'aurais pas vraiment te le dire. C'est ça le problème. Dimanche 22 octobre, je vais au Bosphore avec le musée du tram. Ah! Ah bah dis donc. Mais je vais te dire une chose, jusqu'à présent. De mon côté, je n'ai vu aucune association organiser de navette pour cette année, j'ai l'impression. Ou alors ça viendra peut-être plus tard, mais franchement, je suis. Voilà. À la ligne 466. 33. Texture. VDV. Balken 1 VDV Balken 258 1 0 0 0 1 1. Oula! Je comprends rien là. À vue de nez comme ça, sur le chat, je saurais pas dire grand chose. Hein. Franchement, à vue de nez comme ça, ce serait un petit peu impossible. Hop. D'ailleurs, je me souviens quand je t'ai croisé par hasard au stand Iveco. Ouais, ça, je m'en souviens toujours. Je m'en souviens. Le hasard fait bien les choses parfois. C'est comme l'art des journées portes ouvertes à Casto pour les 40 ans de la 120, je m'attendais pas du tout à croiser autant de gens de ma communauté YouTube.
Ça, je m'attendais pas du tout. Enfin, je dis pas que ça me déplaise, je trouve ça. J'ai juste pas l'habitude. Ah. Tac, 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 tac. Alors, ici, je vais faire un copier-coller, ce sera plus simple. Hop. Petite question. Si ma ville a eu des AG700 en 89, mais avec des recherches, le premier AG700 a été créé en 91, alors, c'est quoi ce qui rapporte plus aux AG700. Putain, c'est un truc de ouf pour les scripts. Bah, qu'est-ce que tu veux de l'AG700? Bah, je vois pas comment t'expliquer ça. Hein. Bon, faites pas attention, je suis pas en forme aujourd'hui, je suis. En fait, je suis un petit peu dans le chelou, dans le gaz, je suis un petit peu. Je suis un peu perdu en fait. Tiens. Ah oui, le système de blocage de porte là, ouais, j'avais oublié ce truc là. Door unsteering, door halt winch knopf druck. If on a le winch and if. Je sais pas, je vais mettre l'apostrophe à côté, on ne sait jamais. Je te comprends, c'est un problème de script du tableau de bord pour moi. Ah! Ah 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 ah. Pardon. Dour HST Brems Knitschutz. Je sais même plus ce que c'est ça, le Knitschutz là. Pouh. Voyez, il y a des trucs, je m'en souviens même plus. AG700, il n'y a que Dijon qui les a gardés. Non, Dijon n'était pas la seule entreprise à avoir à avoir eu des AG700 jusqu'à la fin. À Besançon, ils en ont eu, dont le dernier est préservé, mais je ne sais pas où il est. Je sais plus où il est actuellement. Je sais même pas si ça bosse encore dessus. Aïe. Ah, j'ai mal au nez. Ouh. Ah, quel carnage au secours. Brems alt switch, brems alt and door freikabe. Il y a des trucs que je comprends plus, c'est abominable.
C'est juste parce qu'il y a des trucs qui se ça glisse par rapport à ce script. Là, c'est. Waouh, 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 waouh. Réveille-toi, Gracilis, réveille-toi. Vous deviez bien vous foutre de moi quand je fais des trucs pareils, hein. Ah. Et des scripts qui sont trop différents, ça me rend fou. 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 Excusez-moi. N'importe quoi, n'importe quoi. Ah, mais oui, il y a eu un AG700 à Longueuil au Québec. Oui. Je pense pas qu'il ait fait. Je ne pense pas qu'il était tout seul, mais. Voilà. Oh, les mecs, je ne comprends plus rien. Parce que le script là est différent de celui-ci. Et je n'arrive pas à voir pourquoi il est différent comme ça. Vous savez quoi? Je vais garder le script 4 portes. Voilà. Merde. Mais je vais le convertir en manuel. Voilà. Désolé, je vous fais un peu perdre mon temps, mais moi aussi ça m'en fait perdre. Mais c'est comme ça, hein, quand tu sais pas exactement comment scripter ça. Et que tu fais presque ça à l'arrache, je vais vous ai dire. Ça aurait été pire. Oula. Maintenant ils ont des nuages G300. Ouais. Ça aurait été pire avec avec ceux de Darius. Je sais pas, les scripts de Darius ça va encore, mais. Ils sont parfois un peu chelous. Mais malheureusement, c'est comme les girouettes chez lui. Pour mettre du polychrome ou une autre, ça c'est un petit peu plus tendu. C'est la fenêtre qui lag. Je regarde si mon flux est bon. Ça a l'air d'être bon. Oh là, j'ai depuis 13 minutes. Non, ça m'étonnerait. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas cette fenêtre qui bug, en fait. Donc, du coup, hop, je regarde le script là. Hop, je le mets là-haut. Je vais voir mon script de porte. Hop, door front. Voilà. Ici. Ici, tout, tout, tout. Ici, je vais combiner le script de la porte avant au même endroit. Donc, on va faire comme ça. Oh. Le mec il sait plus faire son travail comme il faut. Tralala, la 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 la. Ben oui. Vous avez raison, je ne sais plus faire mon travail. Donc ici, ça c'est le script qui permet de la const file de mettre la porte arrière en automatique ou en manuel. Du coup, on va lui dire au revoir. Surtout ce petit endif qui sert plus à rien du coup. Pareil ici. Voilà. Ah, t'inquiète pas, les scripts, je te comprends. Enfin, ça. Sinon, j'adapte le bus buggé. Là, le mec, c'est Citaro EN02 sur le facelift pour en faire un Citaro EN06. Pouf. Mal de tête, bonjour. Non, franchement, les scripts, c'est vraiment un truc qui a se donné mal à la tête, mais. Waouh, 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 par contre, j'ai mal autre part, surtout. Ici, le script que j'avais fait pour la Sorbet 051, en gros, je vais vous expliquer un petit peu en bref. Donc, si cette fonction est activée, attends, si cette fonction est activée, oui, si cette fonction est activée, et si le
le frein de poids d'arrêt est activé. Ça voudra dire la porte s'ouvrira sans fermeture automatique. Voilà. Mais si cette fonction n'est pas activée, ça s'ouvrira automatiquement, ça se fermera automatiquement. Voilà. Une porte full automatique. C'est un petit peu près comme ça que fonctionne le. Un petit peu près le script, mais j'ai remarqué que. Pardon. Que cette structure-là diffère selon. Selon son lieu dans le script lui-même. J'ai fait une livrée Nutella sur la 320. Ah ah! Alors, est-il possible de faire monter les passagers de tonnage léger par les 5 portes? Ça serait assez utile, même si je ne sais pas rouler avec ton pack à cause de mon super PC. Ah! Je pense que techniquement c'est possible, mais j'ai jamais encore expérimenté. Mais bon, voilà, c'est. C'est un petit peu tordu comme système. Mais je crois que même si c'est possible, je crois que la montée par la cinquième porte est impossible parce que Homsid ne prend pas en charge un certain nombre de points de passage. C'est que c'est assez chelou. Mais sinon c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ont des lags avec tous mes bus, mais en particulier les articulés. Et ça je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas à quoi c'est dû. C'est ça le problème. Un surplus de surface. Un script qui boucle et qui finit par planter. Ça, je n'en sais strictement rien. Mais beaucoup de gens ont des bugs mais vraiment chelous. Il y en a qui me disent la gyroïde arrière de ton AG280 ne fonctionne pas. Ou alors, t'as les voyants de certaines personnes, les voyants de lumineux qui ne font pas correctement. T'en as d'autres avec l'AG300, t'as le clignoteur gauche ou droite qui bug en faisant tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac. Et je sais pas. Je ne sais. Ou alors t'as des gens qui n'ont pas de girouette. Franchement, je ne comprends pas. Il y a des bugs chelous comme ça, je comprends pas. Alors que moi ici, j'ai testé sur un vieux PC qui est fatigué au bout du rouleau. Un PC qui a 6 ou 7 ans. Un PC portable. Eh bien, j'ai téléchargé mon DLC. Je l'ai testé. Je n'ai pas vu de bug comme ça. Tout fonctionne à 100%. Et même après des installations, j'ai même pas de bug après les installations du DLC. Sachant que j'avais fait ça sur un Homsi vierge. Les polygones qui sont en surnombre. Franchement, j'en suis pratiquement sûr, mais bon. Vas-y pour refaire toute la structure de certains trucs qui sont déjà faits depuis longtemps. Hein. Ça, franchement, ça va pas être terrible. Ça, malheureusement. Ah. Du coup, où est-ce que j'en étais-je? Ah oui, je vais prendre ce petit script-là. Voilà, on va prendre ce petit script. Je vais le coller là. Tac, 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 tac. Voilà. Du coup, ça va permettre l'ouverture de la porte. Deuxième porte manuellement, je suppose. Ah, le bug du clignotant, j'ai vu ça sur la G280, le droit. Ah. Je vais modifier la list de Villemol pour mettre tous les bus de ton pack. Ça sert à rien parce que je l'ai déjà fait et il y a déjà une mise à jour disponible sur le site Obusmaton depuis un petit moment. Mais les bugs de clignot, parfois ça arrive parfois de manière inopinée, ça arrive parfois quand même quand les maintenances sont en infini. Parfois ça arrive. Mais quand t'as ce même bug qui se répète plusieurs fois, tu
pose des questions au final. Le croix Cyril, yo, bonjour. Bonjour, bonjour. Du coup, il faut que je vérifie un truc avec le backup du Dour 4. Voilà, rechercher Dour AFT 45. Ok, il y est. Je pourrais copier-coller sans vergogne ce petit script-là. Hop. Et je vais le coller là. Je renomme. Pouf. Ça, je renomme, je renomme, je renomme. Et ça aussi. Voilà. Ah, quel carnage. Même après réparation, ça clignotait encore rapidement. Ah, là, c'était sûrement un bug, à mon avis. Parce qu'en général, quand tu fais une réparation, il y a ce genre de truc arrête de dérailler. Oui, faites pas attention. Voilà, je vais essayer comme ça, mais je ne suis pas certain que la version manuelle fonctionne co concrètement. Je suis pas certain, mais il faut essayer. Alors, ça, bus door front 2. On va voir s'il est là. Il n'est pas là. Cockpit var list. Bus door front non plus. Je sais même plus si c'est un script à copier-coller déjà, je n'en sais plus. Il y a des scripts, enfin c'est un peu tordu. Bon, écoutez, on va faire un petit test, hein, mais je vais d'abord vérifier le fichier modèle. DBB Dour quelque chose. Dour 1. Dour front 0. Dour front 0. Attends, je vais faire comme ça alors. Tac, voilà. DBB Dour 2. Tac, voilà. Ça, c'est un bruit chelou. Tac. Copy Taster 3, voilà. Faut que je fasse aussi un copier-coller du mouse event. Le mouse event, c'est celui-là. Donc, mouse event, hop, mettre 1 et 2 respectivement. Voilà, on va essayer comme ça. Mais je sens le beau bug venir. Le Vanhoof AG300 CNG, le chauffage, ça ne marche pas avec la neige. Oh. J'irai essayer ça. Est-il possible de supprimer les scripts pour les objets générateurs de la suite OpenShift? Parce que c'est eux qui me coincent. En général, la suppression de scripts. Si on fait ça un petit peu en mode. Allez, je supprime ça, 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 ça. En général, ça fait tout bugger. Faut vraiment être minutieux dans ce genre de travail. Mode enrhumé activé. Enfin, oui, ça chauffe pas avec la neige de base d'homme. Si, bah oui, j'ai compris. C'est quand il fait froid. J'ai compris ton délire. J'ai réseauté ça. Je ferai les réparations nécessaires. Si j'y arrive. Ah bah, voilà, ça a bugué, comme je le disais, ça a bugué. Parce que je vous garantis que là, normalement, en dessous de l'écran orange, il y a un autre bus. Il n'est pas là.
Oh oui, ça a clairement buggé parce que normalement, là, à la place, il y avait un A120-60 à la base. Donc voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça a planté. Parce que because the script ne veut pas. FL, door set close speed. Manual.oc, le nom de la fonction est invalide. Hein? Le nom de la fonction est invalide. Gna 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 gna. Tour 4 const file. Ah! Voilà, je comprends mieux. Voilà. Maintenant, on va réessayer. Il faut aussi que je supprime les entrées dans mon SFG. Les entrées, c'est-à-dire. Mais par contre, à Batkinzo, j'ai défoncé la G300. Ah bon? Vive notre cher Homsi et ses bugs. Oh oui, Homsi et ses bugs, une histoire d'amour sans fin. Bah, c'est pas vraiment un bug du jeu, c'est plutôt un bug de ma part. C'est quoi comme langage pour la programmation? Je crois que c'est du Delphi. Vous me corrigerez, mais je crois que c'est du Delphi. Dans le col, je suis monté sur les rochers. Comment est-ce que t'as fait ton compte? Alors, à 120-60. Oui, j'en ai un beau tas de bus, hein. Hop, on va prendre le numéro qui va bien. Hop, batterie obstruf. Est-ce que le bus va charger ou est-ce qu'il va me planter dans les doigts? Aïe! Il a chargé. Maintenant, je vais regarder dans le log file. Ça a l'air d'aller. Les erreurs de chargement des news de Darius. Bon, ça a l'air d'aller. La route était glissante, j'étais à 70 km/h. Oh bah en même temps, si tu roules à 70 km/h dans des routes sinueuses et que tu finis dans les rochers, c'est pas étonnant. Ok. Hop. Ah. Ça fonctionne, mais à moitié. La dernière porte n'a pas de son, c'est normal. Ici j'ai fait bugger le script. Voilà, la fermeture automatique est encore présente. Ça c'est un truc qu'il faudra retirer. Ça va pas être évident. Un projet qui me trotte dans la tête, on va faire la ligne 75 de la STIB, elle est assez courte et pas trop compliquée. Bah pourquoi tu le fais pas? C'est à cause de ton super PC comme tu dis? Un autre truc que je me suis amusé à faire, c'était refaire des afficheurs papier pour Neuendorf. Voilà, comme ça, tout bêtement. J'ai refait les afficheurs papier de toutes les lignes de la map, en faisant aussi le fichier off qui va avec. Juste pour le lol.
Je suis le boss. Ouf, voilà. Donc du coup, pour gérer cette fermeture autonome, on va s'amuser. Ou pas. C'est comme vous le dites. C'est comme on dit. Tout va bien se passer, les amis. Je vais bien. Alors, hop. 2866 OH. Void. Voilà. Je crois que c'est un OH le moteur, je ne sais plus. Il va sûrement m'en ouvrir un autre tellement le truc est champion. Hop. Ouf, ça recommence à laguer, fait chier. Alors, le script de la porte arrière, enfin le fichier son. Ah, il est là, tu retrouves, moi c'est normal. C'est normal, c'est normal. Copier, coller. Quatre. Hop, excusez-moi, petit passage familial express. Donc du coup, le son de fermeture de la porte, il est là. Hop. EV close door warning tree, je suppose. Hop, les closets, enfin les chocs de fermeture. Türschlacken. Et à moins avoir bon accent allemand ou pas. Oups. Une heure de copier-coller qui aurait pu me coûter cher. D'ailleurs, tant que j'y suis. Pardon. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Voilà, il est là. Copier-coller. Hop, voilà. Ici, le son de décompression. C'est pas beau, les scripts séparés comme ça. Copier-coller. Hop, on rajoute le son de la porte arrière pour ceux qui comprennent pas. Pour être sûr que je l'entende au moins fonctionner. Voilà. Avant de poursuivre tout ce bordel, je vais aller regarder dans mon fameux fichier. Si c'est bien 2866 OH. Ah non, 2866 UH. C'est différent. 2866 UH. Voilà. Ça n'avait rien à voir. Je regarde si j'ai pas un autre fichier ouvert avant de faire la connerie. Hop. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Voilà, désolé, je regardais plus le chat pour le moment. Je sais quel est le bug de ta porte centrale. Bah oui, c'est le système de fermeture automatique qui fait un petit peu yesh.
Salut, salut, tu veux venir en vocal ce soir sur Créabus? Je passerai, je passerai. De toute façon, je dois vous parler à toi et à Willan. J'ai freiné, mais les roues dérapaient. Bah, oui. Bon, j'y vais à plus. Bah, à plus Nian 4, je sais pas combien depuis c'était parti ou c'était encore là. Julien 9213, bonjour, bienvenue. Du coup, hop, piouf, voilà. Hop. Alors, que je me souvienne. Parce que j'avais fait la même chose sur ce script-là, mais je me souviens plus très bien. Ok, je sais pas ce que Julien a mis. Oui. Ouais, je sais pas quel est ton délire, Julien, mais voilà, c'est ton délire en fait. Voilà, je vais utiliser ça comme repère en fait. Voilà, il me semble que c'est ce script-là qui ferait un petit peu son bordel, je pense. Donc, door AFT. Door AFT open. Mid open, je suppose que c'est ça. Je suis pas certain, mais on essaye. Voilà, c'est fait. On recharge. Vais peut-être diminuer le son du jeu aussi parce qu'il me semble que ça a l'air un peu fort. Julien 9213, bon à plus. Bah, à plus, merci d'être passé en mode flash. En fait, il est venu, il a bu son petit café et puis il est parti en fait. Ouf, parce que moi je m'entends plus après aussi. Alors, on va faire un nouvel essai. Hop. Ça ne marche toujours pas. Ça marche toujours pas, donc voilà, ce n'était pas du tout ça. Ou si ça se trouve, c'était pas que lui qui faisait qui faisait foutre la merde. Bon, en attendant, je vais quand même l'enlever, enfin le remettre en place. Ça, c'est pour le système des AI. Toujours les IA, encore IA. Ah voilà, Dour AFT Calque. Je suppose que ça doit être là. Dour AFT Calque. Voilà. Le système d'agenouillement est encore là, mort de rire. Door HST barème Seknitschutz. Alors, quand je regarde, il me semble que j'avais fait ça. Ça. Le L0 et le S0, je sais même pas ce que ça signifie. Voilà. J'avais peut-être fait un truc comme ça. Je ne suis pas certain, mais j'essaye. J'essaye. Comme solution à ce problème de port, que j'avais aussi sur la 600.
Oui, mais bon, je préfère faire ça directement dans le script. Toi, t'as fait ça avec le... Avec le const file, sûrement. Mon cher Imaginox. J'ai un doute tout à coup. Je vais retourner là-haut. Et je vais le remettre les petites apostrophes là. Hop, hop, hop. Je re-sauvegarde, on réessaye. Je devrais presque passer les portes en électrique juste pour pouvoir avoir le silence du bus en fait. Parce qu'il fait quand même beaucoup de bruit, hein. Oula, excusez-moi. Ok, ça veut tout dire ça. Voilà, le script est buggé. On se retrouve avec un A330 à la place. Faut le faire, hein. Ah, quelle merdouille. Bon, juste pour le lol. Voilà, bon, il suffit un petit peu. Merdouille. Alors, where done ist kein gültiger Gleiter format, machin chose. Ah bon? J'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, moi, apparemment. Where done? Voilà, j'ai compris pourquoi. J'avais enlevé une apostrophe en trop. Allez, c'est reparti. On recharge la map pour la 51e fois. Charger sans les bus, hop, comme ça sera fait. Point de spawn au dépôt. Là. On prend n'importe quel numéro parce que ça n'a pas d'importance pour le moment. Ce sont juste des tests.
Alors, on va voir si ça fonctionne. Ça ne fonctionne toujours pas, c'est la tristesse la plus totale et absolue. Tiens donc. Oui, ça fait longtemps que j'ai fait ce genre de script, alors ça, j'ai un petit peu oublié comment ça fonctionnait. Elle est toute molle la porte. Alors, du coup. Logfile, est-ce que tu me dis quelque chose de précis ou est-ce que tu m'envoies clairement dire vérifie toi-même? Ok, vérifie toi-même, c'est ce qu'il me dit. Gnie. Du coup, lui c'est fait. J'essaye de comprendre. C'est pas évident, mais j'essaye. Crac, cric, croc, crac. Il y a tout qui craque dans ce bureau. Je parie qu'il y en a qui regardent, qui connaissent la réponse. J'en suis pratiquement sûr. Ils s'amusent à me voir galérer sur un truc qui pourrait sembler simple pour eux, mais qui est compliqué pour moi. Oui, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, ça va pas. Oui. Je vois une légère différence, mais je ne sais pas si c'est lié à ça ou à autre chose. Regardez ici tout en bas. Manifestement, ce n'est pas ça.
Alors là, t'inquiète pas, j'en sais rien. Je t'aiderai volontiers. Ça. J'ai entendu un bruit chelou au rez-de-chaussée. Je ne sais pas, c'est peut-être ma belle-sœur, je ne sais pas. J'en sais rien, bon, personnellement. On est marre de jouer les gardiens pour des choses pareilles. Bon, du coup. Oui, je sais, fous-moi la paix. Je vais chercher le script du manège D200. Juste pour zioter un petit coup. Voilà, door. Son script en question, c'est door man back combined. Ah non, ici il est mis de la même façon. Qu'est-ce que j'ai foiré à votre avis? Parce que là, c'est pas possible autrement. Il y a un truc que j'ai loupé. Et ça fait tout chier, on va dire. Attendez un peu. Open. Oups, pardon, j'ai tapé dans le micro, excusez-moi. Je pensais que ce serait ça, mais ça n'a pas l'air du tout d'être ça. Si déjà j'arrive à dire à la porte centrale, tu fonctionnes comme ça et pas autrement, ce serait déjà une bonne chose. Au fait, je crois que j'ai le. La solution sous le nez. Depuis tout à l'heure, je crois que j'ai la solution sous le nez. Vous demandez pourquoi je mets des apostrophes? Bah, c'est pour dire au jeu, tu ne prends pas en compte cette ligne de script. Allez, je dois faire respawn la 120 parce que j'ai fait une fausse manip. Bon, désolé, j'apprends de plus en plus de choses qui me déplaisent de plus en plus et c'est vraiment pas sympa.
Je pensais que ça réglerait le problème, mais ça l'a pas réglé. En fait, je peux ouvrir et fermer la deuxième porte comme je le veux. Et si je remets le frein de pas d'arrêt, elle se referme toute seule. Urbanuet 201, salut, bonjour. Ah! Je sais pas si ça veut dire quelque chose, ça. Là, ce script-là ne sert à rien. Parce que je l'ai désactivé pour ça. Ça m'intéresse pas, toujours la I. Il y a. Ça, je suis dans mon script qui est normalement pas bloqué. C'est plus. Il y a des trucs, je ne sais plus. C'est là mon problème. Bon, je le remets en place, écoutez, hein, on verra bien. Il y a un petit problème sur le pack. Ah bon? Exprime-toi. Exprime-toi parce que sinon je ne peux pas identifier le problème si tu me dis pas ce qu'il va voir. Julien 515, salut. Bienvenue. Bonjour, bienvenue. Ah, 305 qui rentre. Je vais faire respawn un autre à 120-60. On verra bien si ça bug toujours autant.
Ok, c'est un bug toujours bien des scripts. Parce que vous voyez, ici sur ce bus là, hop, je vais prendre les numéros qu'il faut. Je vais prendre les numéros qu'il faut. Donc en gros, sur celui-ci, en actionnant cette commande-là, je peux mettre la porte en automatique ou en manuel. Donc démonstration. Hop, voilà. Le self-service est activé. La porte s'ouvre. Et voilà, elle se ferme toute seule. Je la mets en manuel. Donc j'active le frein de point d'arrêt. Tac, j'ouvre. Hop, elle s'ouvre. Et puis je la referme comme je veux. Ici elle marche. Sauf que elle a un petit bug assez, un petit peu similaire à la 120 qu'elle a. Donc en gros, je fais ça. Je l'ouvre. Elle va se refermer. Du coup, je la passe en manuel. Je veux l'ouvrir. Elle s'ouvre pas, elle bug. Et ça, j'ai pas encore compris le délire. Peut-être que je trouverai plus tard, mais voilà. Voilà. Donc du coup, pour régler ce problème-là, je dois désactiver le frein de porte, le remettre, et ça s'ouvre. Voilà. Je vais me mettre sur le côté parce que c'est un bus qui doit rester là normalement. Quand il bug pas. Benoît qui ne s'exprime pas au sujet du bug, mort de rire. Enfin voilà, vous voyez mon désarroi du bug. Franchement, à votre avis, qu'est-ce que j'ai pas fait dans le script? Ah, c'est énervant quand ça marche pas. Du coup, je remonte un petit peu plus haut, peut-être éventuellement un jour. Vous avouerai les amis, je suis complètement perdu de chez perdu. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Oh, quel carnage! De crédit. Trigger plus tour AFT 23. Pourtant, ce sont deux scripts bien nécessaires. Pourtant, quand tu la regardes, ils sont pareils.
Mais bon, moi, le problème ici, c'est que je veux faire. C'est une bonne idée, Maginox pour le 0.51, mais. Pour la 160, c'est différent. Lui, c'est des full manuels complètes. Celui 0.51, techniquement, c'est pas un système qui existait à la base, mais qui était rajouté plus tard. Jamais compris le délire. Mais. Voilà, c'est pas la même chose. Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Bordel de cube! Alors, je fais n'importe quoi. Non, ça n'a rien à voir, ça. Attends un peu, Alt Winch Lamp, je crois que c'est. Je me souviens d'un truc pareil. Ah, peut-être ça. Et si je libère cette ligne-là, ça fait quoi? Vous voyez, hein, le script est encore plus tordu que la programmation des animations dans le CFG. Quand on ne sait exactement pas ce qui va pas, ben voilà, c'est tout qui part en vrille. Oups! Je tape tout le temps dans le micro, c'est incroyable. Ah, c'est énervant! T'es un cap tout seul en fait. Mais tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Allez, ça va pas vous faire de mal. Ah! Ah que coucou. Ah, c'est toi. T'as eu peur? Bah, j'ai pas entendu la notif de connexion en fait. Ah, tu vas bien? Oui, c'est. Ah, il m'a fait peur. C'est pas possible. J'ai dit. Au secours. Pourtant, j'ai présenté ma venue dans le chat. Oui, je t'ai vu venir, mais je savais pas que tu viendrais en fait sur Discord. Parce que j'étais dans un petit LE, ouais, tu es dans un petit Mercedes LE de la 138, et puis je Ah, vois je vois. Nicolas en live. Du coup, je me suis dit, oh, j'ai mis mes écouteurs et yep, et maintenant je viens de rentrer chez moi. Ok, bah bienvenue chez toi. Oh, merci beaucoup. Bonjour le live, du coup. Bonjour, bonjour.
Ceux qui ne le savent pas, je suis Willem. Enfin, je pense que tout le monde le sait, mais bon. Depuis le temps, je pense que tout le monde le sait. Oui, je pense aussi. Alors, nouvelle fonctionnalité facilitant la modération. D'accord, c'est de la merde. Oh, tiens, je connais cette voix, n'est-ce pas, Julien? N'est-ce pas? Ah, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Je sais pas, mais j'ai jamais roulé ni avec le Citaro 1 ni avec le facelift. Le seul Citaro qui passe, c'est le vieux facelift mal modélisé, tout pourri. Encore une fois, merci, super PC. Ah, c'est la merde. Ah oui, c'est la merde. Le premier Citaro facelift d'histoire d'homme si. Oh putain, je m'en souviendrai longtemps celui-là aussi. Effectivement, vu la qualité. Hello, Army Gamer. Hello, hello. Allô. Oui, au vrai. Bon, franchement, je vous le dis, si je ne trouve pas le script de porte, bah, je vais rétablir l'ancien et je vais passer à autre chose sur la 120 parce que ça va devenir vite chiant. Au pire, le script de porte, je ferai ça de mon côté bien tranquille. Ah, t'es trop posé. Ouais. Coucou toi, hello! Hello Adèle! Hello. D'ailleurs, je tiendrai bien le live jusqu'à 18h, mais pour des raisons indépendantes de ma volonté, je vais devoir l'écourter d'une heure. Du coup, 17h. Voilà, à 17h, on coupe tout, donc voilà. Je suis désolé pour ceux qui voulaient me voir plus longtemps, mais voilà, malheureusement. Ce sera pour une autre fois. J'ai des choses à accomplir derrière, malheureusement. Réquisition parentale. Du coup, j'ai là là. Bon, alors, est-ce que ça sera toujours aussi foireux ou est-ce que ça va dire autre chose? Toujours aussi foireux. Que pas ça, il y a des portes. Du coup, hop, les scripts des portes. C'est fini pour moi, hein, j'en ai ras le popotin. Il avait pas les portes qui partaient en sucette, l'ancien. Le facelift, de mémoire, si. Il me semble qu'il était. Bon, en même temps, il était buggé de chez buggé. J'ai des choses qui me passent dans l'œil. Avec sur mes lunettes là, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas trop. Donc, du coup, bah hop, on va rétablir le vieux script. Hein. Parce que bon, hein, j'en ai marre de me casser le cube, en fait. Je ferai ça de mon côté, le script de porte, c'est abominable. Du coup, on va faire le scriptage d'une void 851.2. C'est pas compliqué. Est-ce que c'est celui-là? C'est toujours mieux que pas de live du tout. Oui, bah, que oui. C'est sûr. C'est sûr. Hop, copier-coller. Hop. Vote 851. Je vais pas mettre de point 2 parce que ça va tout faire planter. Voilà. Je vais mettre -2. Et il suffit juste de changer le chiffre ici. Pour avoir le fameux ralenti comme le SD85. Et je crois que le SD85 c'était 2 qu'il fallait mettre. Donc man SD200. On va tricher un petit peu, hein, comme d'habitude. Voilà, c'était 2, je m'en souvenais. Tac, tac. Et je sauvegarde. Là, je crois que mon facelift est mort. Shed, véhicule illégal, index PTL13. Oula. La sainte erreur qui fait bien chier. Ah là là. Homzy. Tant que j'y suis, je me demande s'il fallait pas que je corrige autre chose. Ah, effectivement. Hello, Arekaza. Hello. La prochaine fois, les gars, je vais essayer des pseudos un peu plus compliqués. Oui, tu vas avoir du channel, bien sûr. Du challenge. Ouais, bon, là, toi, on a simplement des pseudos, c'est genre. Écrit en mode. Voilà, c'est fait, c'est mon pseudo. C'est ça. Toi, il y a les gens qui tapent n'importe comment. Ah, c'est horrible. Des gifles. Alors, où est-ce que j'en étais dans ma petite truc? Dans ma petite truc. Mais oui, c'est clair.
Voilà, du coup, comme les scripts de porte ont été rétablis en 4 portes automatiques, entre grands guillemets, et ben elles s'ouvrent toutes séparément. Comme ça, hop, hop. 4252, Mommy Park, service spécial. Tiens donc. Non mais je suis débile en fait. Je suis débile. Je fais le script, mais je ne vais pas le modifier dans le fichier bus. Je suis un débile. Ah. Bonjour Game LOL. Ah bah enfin un pseudo facile. Oh LOL. Vive la triche. Lololololol. À quand 7900 sur MC? À quand? À quand 7900 sur MC? Ben tu attends. Je sais plus lequel jour de ce mois d'octobre et tu en as en fait. Ah bon? Darius. Ah c'est un 7900 qui fait? Il me semble. Il me semblait que c'était un 7800 moi. Je sais pas, moi je confonds toujours les deux moi alors. Bon, mais c'est pas le même qu'on a ici en Belgique de toute façon, ça c'est sûr. Oui bah oui c'est ça que oui. Ding. Je suis en Belgique, c'est le 7900. Et lui il fait le... Je devais te lire tout de suite. Il fait le... Ah non, 7900. Tiens. Haha. Étrange. Mystère. Ah oui, le DLC en bourre, là, le fameux truc qui va coûter 500 000 euros. 20 euros maximum, si j'ai bien vu. Putain, c'est tellement cher. Je sais pas, ce qu'il a fait, ça c'était encore relativement bien justifié, question qualité-prix. Ça va, ça reste encore raisonnable. Pour moi, en tout cas. Si le Volvo, il est bien, enfin, s'il est bien et tout ça, moi, je pense que je céderais, mais après, si le Volvo, c'est un petit peu comme le nuage est très GG, bon, voilà. T'as l'air doué, comment fêter un bus sur MC2? Eh bien, je peux te conseiller d'aller voir les deux lives précédents pour savoir un petit peu comment j'ai exporté ce bus depuis sa 3D originale. Voilà. Sculpus. Autrement dit, bus scolaire. Sculpus. Sculpus. Du coup, Oui, je sais, je fais des bruits chelous. En fait, il faut que je scripte aussi un système d'éclairage différent. Qui est comment dire? C'est un système d'éclairage assez spécifique. Un éclairage by Agrastis. En fait, vous avez l'éclairage du côté gauche et l'éclairage du côté droit. Et là, la lampe 7, comme tout le monde l'appelle. Mais bon, le problème, c'est que sur MC, sur mes A120, j'ai changé le script de lumière. Donc, il va falloir que je refasse encore un autre script différent pour ça. Ne me dis pas que tu as bugué pour un en trop. Je n'ai pas compris votre demande. Veuillez répéter. En fait, je suis complètement perdu, les amis, là-dessus. Je sais vraiment plus ce que je suis censé faire. C'est ça le problème. Je suis perdu. Je suis dans le chou. Non, on n'utilise pas Blender, on utilise AC3D. Ah, si, j'utilise quand même Blender, mais ça, c'est pour... Oui, c'est pour le travail, du travail plus pointu. Mais la 3D est faite sur un C3D. Voilà. Veuillez patienter. Redémarrage en cours. Non, mais sincèrement, je suis perdu en fait. Je sais pas. Je sais plus ce que je devais faire. Oh merde.
Ça, c'est pratique, Bah, par c'est contre. peut-être que ton cerveau a dit j'arrête pour aujourd'hui. Clairement, oui. On va presque dire ça, je pense. Parce que Ah là, oui. je suis à côté de la plaque. Tiens. Pourquoi est-ce que j'avais un script spécial pour le 051? Ah. Ah bah oui, pour le script de mise en marche de batterie. C'est lequel le plus facile? Ben, au niveau de la facilité, c'est pas vraiment une question de ça, ça dépend un peu lequel tu travailles. Si tu veux, bah, comment expliquer? Ça dépend un peu le logiciel que tu penses. Enfin, il faut savoir que Blender est gratuit, AC3D est payant, donc après, ça dépend un peu de ton budget aussi, et puis ça dépend de ta façon de travailler aussi. Oui, surtout avec quel logiciel tu es le plus à l'aise. Voilà. Moi, tu me demanderais de démarrer la 3D complète depuis Blender. Je t'enverrai royalement voir Aux toilettes. ailleurs. Parce que bon, personnellement, Aucun des deux. j'ai appris sur AC3D depuis 2008, donc bon. Nous avons un professionnel devant N'exagérons rien. Bah, tout de même. T'as quand même fait un bus en 2 semaines. Bah. Voilà. Oh. Moi, je pense que si je fais un bus, ce sera Va bien. en 2048, peut-être. Une sortie en 2048. Oui, Darius fait le 7900 hybride comme celui qui était testé à la Steve. Je sais pas quoi. Je voudrais travailler sur l'Agora Line 2. RSBus Agora Line 2. Deux? Comment ça, deux? Oui, 2. Ben, je pense que c'était juste Line. Après. Mais un Agora Line, il y en a déjà un sur MC, mais il est privé, de mémoire. Pour le moment, en tout cas, j'en suis pratiquement sûr. Ou alors il est en WIP. Quelle idée. Toute façon, tout ce qui est WIP, c'est privé, hein, pour le moment. Ça dépend. Je dis bien pour le moment. Oui, ben, So, ça bah, dépend un peu si c'est du créateur. en cours de construction que c'est pas privé, en général, c'est plus, on va dire, bêta public. Ouais, voilà. Alors, perso, l'A120 que j'ai lancé sur V30 était fait sur Blender, mais il faut savoir le prendre en main. Ah, ça, Oui, bah oui, c'est exactement. je ne peux que confirmer tes dires. J'ai cassé. J'ai tout cassé. Ah, vous avez tout cassé. Attendez, y a un script qui vient de me sauter à On va l'œil là. éviter de mettre de la musique. Hein. Oui. Vu que YouTube aime bien me faire enrager juste pour ça. Bien. Oui. Ah, tiens, non, même pas. Oh, je suis en train de faire n'importe quoi. Et le GX337 hybride. Oh. Bah écoute, je vais pas te mentir, je vais aller juste voir sur Google parce que je ne sais pas à quoi ça ressemble. Ah oui, c'est bon, tu peux en faire, hein. J'aime bien. Effectivement, j'aime beaucoup le GX337. Enfin, j'aime bien son petit cul et le devant. Petit cul. Cululu, cululu. Ah oui, hybride. J'ai pas marqué hybride. Enfin, fais un normal d'abord. Tu me l'envoies et puis tu fais un hybride. C'est une blague, hein, bien sûr. Ouais, je suis dans le flou total, les amis. Dans le flou. Je ne sais plus ce que je devais faire, ni comment je devais faire. Ah! Débouché, bonjour. Oh là là. Ouais, écoutez les amis, je suis désolé, mais j'y arrive plus. Je n'y arrive plus, je suis en train de bloquer complètement. Je bloque, voilà. Je suis désolé pour certains qui sont un petit peu venus un petit peu pour rien, parce que clairement, on n'a
pas du tout avancé. Ça, malheureusement. Mais je suis vraiment navré, mais j'en peux plus. Il va falloir que je m'arrête là. Voilà, je suis désolé pour ceux qui sont là. Mais oui, je devais faire un script de lumière, mais je sais pas, je bloque. Je bloque. Je bloque complètement. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est... Quand ça veut pas, ça veut pas. J'ai bien essayé de regarder, bon, mais non, oh non, même pas. Même pas, j'ai pas envie. Je suis désolé. Voilà, bah je suis... Voilà. Désolé les amis, je vais devoir m'arrêter là. De toute façon, d'ici 20 minutes, je dois couper. Et puis de toute façon, je sais pas. La motivation, je sais pas ce qui lui est arrivé. Elle était là tout à l'heure, puis pouf. Pouf, elle est partie. Plus là. On a vu à cause des portes qui ont bugué dans tous les sens, ça m'a refroidi. Donc voilà, bon bah, je vous remercie quand même d'être passé voir pour ce live qui finalement fut infructueux. Je me demande vraiment si je vais laisser la rediff, parce que franchement, on n'a pas avancé. Voilà. Voilà, bon, je vous retrouverai certainement la semaine prochaine, si tout va bien, hein, pour un autre live, hein, mes chers amis. Bon, allez, je vous dis à plus tard. Merci d'être passé et passez une bonne journée et soirée. Bonne soirée à tous, sortez couverts, n'oubliez pas, très important.